Zuclet, Jean-Paul, voilà. Né en Guyane, Tibouxinamarie. Je veux dire, bon, aujourd'hui, on va parler de ma passion, ce que j'aime bien avant tout. La matière, c'est la coque de Marépa. Je me suis inspiré de plein de choses. Aujourd'hui, je suis assis sur une coque de Marépa, c'est un petit fauteuil. On appelle le rocking guyanais aujourd'hui. Vous voyez. D'où vient l'idée? D'où vient le concept? D'où vient l'idée? C'est que, étant que Guyanais, on connaît tous la matière. Mais moi, quand j'étais jeune, je dormais déjà dedans, étant que petit. Je dormais, je faisais des canaux. C'est un petit bouc chinamari. Alors là, nous avons nous pas laissé fleuve. Voyons ça. Bon, du coup, c'est pour dire d'où vient la passion. Et moi, j'ai voulu innover la matière en faisant, voilà, faisant des fauteuils, des chaises. Aussi, des petites créations à côté aussi, j'aurai le temps de voir tout ça. Je fais aussi des matières, des lampes, des petites sacoches à main, sac à dos, tout ça encore que je ne marie pas. Voilà. Parler un petit peu de la chambre des métiers de l'artisanat, c'est par rapport à eux que j'ai eu mon premier trophée, on va dire en gros, mon premier diplôme d'artisanat. Et moi qui ne faisais pas de l'artisanat, ben, du coup ça m'a lancé dedans. Et du coup j'ai exposé pas mal d'endroits aussi, ça m'a permis d'exposer au musée des cultures guyanaises, c'était en 99 je crois, mais 91, je sais pas, une de cette année. Après j'ai exposé aussi à la chambre des métiers de l'artisanat. J'ai exposé aussi avec le PROG aussi, avec le CTG, tout ça, voilà. Là, ceux qui sont passionnés, ben, de vivre leur passion à fond, hein. Et puis de perpétuer, d'avoir des idées, toujours innover,